7h à Kinshasa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, signature de l'accord sur la construction du port en eau profonde de Banana entre la République démocratique du Congo et DP World des Émirats Arabes Unis, cérémonie officielle présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce méga projet très attendu sera bientôt une réalité. À noter par ailleurs que la construction du port en eau profonde de Banana était là jusqu'à là une condition sine qua non pour l'aboutissement du projet route rail entre la République démocratique du Congo et le Congo au Brazzaville. C'est la concrétisation de la vision futuriste du président de la République qui veut faire du Congo un pays fréquentable et économiquement fort. La cérémonie de ce samedi 11 décembre 2021, qui restera gravée dans les annales de la RDC, ouvre le pays au monde par la construction de ce port. Il a fallu la volonté et le courage du chef de l'État, ajouter à cela sa diplomatie de charme qui paye cash pour voir se matérialiser la signature de l'avenant au contrat de construction et de concession du port en eau profonde de Banana entre le gouvernement congolais et DP World, une société publique des Émirats Arabes Unis. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement présidé la cérémonie à la Cité de l'Union africaine. Pour la partie congolaise, le gouvernement est représenté par le Premier ministre et quelques membres sectoriels, parmi lesquels le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, le ministre des Finances, le vice-ministre du Budget, Madame la ministre d'État en charge du portefeuille. À travers ce contrat, DP World s'engage pour la première phase du projet à construire un quai de 600 m² et de 25 hectares d'espace de stockage pour un coût de 350 millions de dollars américains. Il est prévu au total 4 phases avec au final un investissement de 1,3 milliard de dollars. We will be putting a tender for the project. Nous allons nous mettre tout de suite donc, sur le travail et nous allons mettre en place les appels d'offres donc, en fait, pour la construction de cette infrastructure. La construction aussi bien de l'infrastructure portuaire que la machinerie nécessaire pour l'opération du port nécessite un peu de temps. Nous allons nous mettre très rapidement donc, en fait, dans les appels d'offres et dès que nous sommes fixés par rapport au contracteur, nous allons démarrer immédiatement les travaux. Le contrat de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central a été renégocié sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de rééquilibrer les avantages dans le cadre du partenariat public-privé gagnant-gagnant conformément aux axes prioritaires du programme d'action du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est préoccupé par le développement de notre pays et le lancement des travaux du port en eau profonde va encore une fois booster l'économie du Congo central et par ricochet l'économie de toute la République démocratique du Congo. Déjà, le fait pour la République démocratique du Congo de donner la concession est une part considérable et nous attendons dans le montage financier la participation aussi de DP World qui a une expérience avérée en la matière. La mise en œuvre effective de ce projet ayant connu plusieurs fois des prolongations à cause des divergences de vues entre les deux parties contractantes a l'avantage de faciliter sinon d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et divers États du continent, mais aussi de permettre l'intégration économique dans la région. La première pierre pour le démarrage des travaux sera posée le 2 janvier 2022. D'ici là, les appels d'offres seront lancés. Travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kinshasa et Bachamba. Cette route est longue de 622 km. Les travaux seront exécutés par 3 entreprises chinoises sur le financement de la Banque africaine de développement. Le coup d'envoi a été donné par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. C'est un reportage de Blaise Bokoukassanza et Eridis Kitutu. Doter la RDC des infrastructures modernes et efficaces, telle est la vision du chef de l'État
qui se matérialise à travers différents projets. Sous une pluie battante, Alexis Gissaro-Mouvouni, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, arrive au PK 159 sur la route nationale numéro 1 pour le lancement des travaux sur le tronçon Kinshasa-Bachamba. Ce projet routier est une action salvatrice pour les populations de Kinshasa, Kwango et Kwilu. Il permettra de désenclaver le coin. Appelant la population à accompagner ce projet, le ministre d'État des ITP présente la RN1 comme l'épine dorsale de l'économie congolaise car elle traverse 11 provinces. Le projet de réhabilitation de cette route est fait dans le sens d'améliorer la fluidité dans la circulation des biens et des personnes, pour améliorer les échanges, non seulement les échanges humains, mais également les échanges économiques. Nous sommes là pour assurer la vigilance que les travaux se fassent bien et dans les délais, parce que ça doit se terminer au plus tard à la fin 2023. Donc c'est ça l'objectif du projet. Ce projet est le fruit de la coopération entre la RDC et la Banque africaine de développement. Le tronçon à réhabiliter entre Kinshasa et Bachamba est de 622 km. Hormis la réhabilitation, ce projet prévoit aussi d'autres activités connexes. Un poste de 30 mégavolts d'ampères pour améliorer la desserte en énergie électrique dans la partie ouest de la capitale Kinshasa. Les travaux de construction de ces postes ont atteint la phase finale. La SNEL SA qui a initié ces travaux veut offrir un service de qualité à la population. Yvette Makoutima. Les rêves longtemps caressés par le gouvernement de la République pour améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique dans la partie ouest s'est traduit en réalité. La Société nationale d'électricité, SNEL SA, dispose désormais d'un poste de 30 MV ampères. Le poste de Mitendi vient renforcer en puissance les sous-stations de Badiadingi et Upen pour le grand bonheur de la population. Une délégation de la SNEL SA a visité ces postes dont les travaux de construction sont arrivés à leur terme. Une fois connectés au réseau, le manque de l'énergie électrique ou encore les délestages ne sera qu'un vain souvenir. Vu que la SNEL a remarqué les surcharges, dans les postes à tout moment il y a les délestages, que tout le monde, même les gens qui ne sont pas les techniciens, connaissent qu'aujourd'hui c'est notre délestage. Par le biais du gouvernement pour construire ces postes, on disait que le souci c'était pour décharger les postes de Badading, qu'on ne puisse plus attendre le délestage de Feder à Badading. Depuis que nous avons commencé la construction de ces postes, on fait évaluer le travail à 95%. Donc pour dire que nous sommes dans les bons, et les courants qui va vous alimenter, ce n'est pas seulement les anciennes cabines. La SNEL a pensé à ajouter quelques cabines. Le poste de Mitendi a une capacité de 30 MV ampères. Ceci va permettre d'alimenter non seulement la population de Mitendi, Badiadingi, mais aussi de suppléer en énergie le poste de la régie des eaux Mitendi pour son meilleur fonctionnement. Quels sont les avantages du code des investissements? Le directeur général de l'ANAPI a effectué une visite dans quelques entreprises du Congo central pour s'imprégner. Faire le suivi et évaluation de différents projets agréés au code des investissements, c'est l'objectif premier de cette série de visites que mène l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Dans le Congo central, la cimenterie de Lukala est la première cible de l'équipe d'agrément constituée de délégués de la présidence, de la primature, du ministère du plan et du travail, de la DGDA. Et de la DGI. Conduite par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzoka-Molé, l'équipe a, outre la collecte des doléances, visité les différentes étapes de la production du ciment avec un regard admiratif sur les machines acquises par l'entreprise grâce aux avantages leur accordés par le code des investissements. Quelques kilomètres plus loin, la délégation découvre la SICO Cimenterie du Congo, une entreprise aux installations prêtes à produire, mais butée encore à quelques problèmes, notamment celui d'approvisionnement en énergie électrique.
L'équipe, là aussi, a enregistré les doléances et visité les machines avant de se rendre chez Bakensas, une firme spécialisée dans la fabrication des emballages pour sacs de ciment. C'est ici que s'approvisionne la Silou, par exemple. Avec le code des investissements, on a été accordé des exonérations sur nos biens d'investissement et avec aussi un peu de l'aide avec les impôts pour les prochaines 4 ans. L'équipe de la NAPI a tout de suite mis le cap vers Moanda, prochaine étape de sa tournée au Congo central. Un projet qui paraît ambitieux, c'est le projet de morgue en République démocratique du Congo. Un homme d'affaires congolais, Cissé Kasongo, vient de lancer ce projet dans le contexte de la COVID-19. Avec son ambitieux projet social qui tombe à pic, l'ASBEL Eternity Foundation s'avère plus que salutaire pour la population congolaise entière. Œuvre d'un jeune couple philanthrope, le couple Kasongo, l'ONG Eternity Foundation, a été créé dans un contexte difficile marqué par l'avènement en 2019 de la pandémie à coronavirus qui a bouleversé le monde au point d'accentuer la crise économique et dont les effets pervers ont été la vulnérabilité des familles éplorées qui se trouvaient désemparées devant les corps en décomposition des proches par manque de place pour être conservés dans la dignité humaine. Inspiré donc par M. Cissé Kasongo et sa tendresse Joël Kasongo, l'ONG s'est d'abord assigné comme objectif accompagner l'État congolais dans l'enterrement digne des très chers disparus en nombre pléthorique des suites de la pandémie à cause des débordements conséquents. Première étape pour la structure, la construction des 8 morgues et funérariums sur l'étendue du territoire national. La première morgue déjà opérationnelle est à Kasumbalesa. Il s'agit de la morgue Ramamara, capable d'accueillir 40 corps dans des conditions confortables les plus possibles. Toujours dans cette première phase, la morgue de Lubumbashi sera très bientôt opérationnelle. Elle aura une capacité de 50 places au total. Entre-temps, les travaux d'autres morgues évoluent bien à Kinshasa, Mbujimayi et Kabinda, à Sakania, Fungurume et Kolwezi. Moi, avec ma femme, nous avons dit non, nous pouvons faire quelque chose qui puisse et qui peut soulager la population de ce côté-là. C'est comme ça, pour parler de la fondation, ce que nous avons déjà réalisé jusque-là, c'est comme ça que nous avons monté un projet de morgue sur le plan national. Alors, de morgue moderne et funéraire. Homme du social, l'escompté de M. Cissé Kasongo demeure celui d'accompagner les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du gouvernement Samalou Koundé pour élever le niveau de vie de la population et de booster ainsi le développement du Congo. Conscient de ses limites, nonobstant ses projets d'affoison, l'ONG Eternity Foundation demeure ouverte au financement ou à d'autres soutiens techniques et matériels des diverses structures ou organisations internationales. Sensibilisation des jeunes sur le leadership en cette période de crise due à la COVID-19. Godwin Trading Investment et la structure Thierry Samba Motivation organisent une conférence sur le leadership entrepreneurial ce lundi 13 décembre au fleuve Congo Hôtel. Le conférencier Dr Tchalo Kachunga qui va développer le thème COVID-19, une opportunité pour développer son business, en parle sur ce plateau. En fait, en provenance de l'Afrique du Sud, pour une conférence d'une journée. Nous sommes là réunis avec les entrepreneurs. Ici, le mot business que nous utilisons, c'est dans le sens américain, qui est toute activité, politique, affaires, éducation, donc on appelle ça tout ça business. Et l'objectif principal, c'est que dans mes recherches et mes études, je suis arrivé à comprendre que si un conducteur ou un dirigeant s'améliore de 5%, son entreprise s'améliore entre 15 à 20%. Alors tout celui qui comprend l'investissement, il sait que 15% de retour ou 20%, ça vaut la peine d'investir dans cette affaire-là. Donc c'est pour ça que nous sommes là avec les dirigeants pour nous affûter mutuellement, débattre des choses qui sont importantes, mais surtout avec le background de la crise. Due à la crise sanitaire due à la COVID-19. Donc nous sommes dans ce cadre-là pour réfléchir comment nous pouvons maximiser cette crise, la transformer en opportunité, non seulement pour les hommes d'affaires,
mais pour la société en général. Donc ça, c'est l'objectif principal de nos assises. Nous tenons... Et puis, cet ouvrage COVID-19, un nouveau problème de santé publique, mise au point d'une stratégie de contrôle applicable au contexte de la République démocratique du Congo. C'est l'apport de sept chercheurs publiés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ricky Nzuzilouya. La COVID-19, toujours visible dans les différents secteurs de la vie humaine. Depuis le 8 décembre 2019, que ce syndrome respiratoire aigu sévère s'est déclaré, il remet en cause la résilience de tous les systèmes de santé mondiaux, malgré les mesures drastiques prises par les autorités pour contenir sa propagation. Face à cette problématique, un groupe de chercheurs congolais, avec à leur tête le professeur Dr Faustin Tchenge, vient de mettre au point une stratégie de contrôle de la COVID-19. Qui soit applicable au contexte de la République démocratique du Congo, grâce à une analyse verticale qui a permis d'abord de mieux comprendre la COVID comme maladie et comme problème de santé publique émergent. Il faut que la population porte son masque, qu'on doit se désinfecter les mains. Donc ça, ce sont des mesures qui doivent être associées notamment à la vaccination. Est-ce que ces mesures revêtaient des évidences scientifiques? Nous avons passé en revue chaque mesure. Quelle est son efficacité? Est-ce que c'est une mesure qui permet justement à pouvoir influencer le cours de la maladie? Quelle est, quelle est son efficience? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport coût-efficacité? C'est-à-dire, lorsqu'on met cette mesure au Congo, est-ce qu'on est capable de pouvoir prendre cela, comme on le disait tout à l'heure? Est-ce qu'on est capable de pouvoir acheter les masques? Est-ce que la population peut acheter les masques, ainsi de suite? Cette stratégie aligne les interventions promotionnelles, préventives et curatives efficaces et acceptables, pouvant constituer la base de la stratégie nationale de contrôle de cette pandémie. La formule baptismale de l'ouvrage COVID-19, un nouveau problème de santé publique mis au point d'une stratégie de contrôle applicable au contexte de la République démocratique du Congo, a été prononcée par le professeur Prince Kaoumba Lufunda. Changeons de chapitre à présent. Le tribalisme gangrène la société congolaise. Acacia Bandoboula, ministre honoraire de l'économie à travers sa fondation A au carré, mène une campagne pour lutter contre ce fléau et soutenir les actions du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle a annoncé le lancement de la campagne Stop au tribalisme pour un Congo fort et unis. Regardez. Stop au tribalisme pour un Congo fort et uni, l'ex-ministre de l'économie nationale Acacia Bandoboula Mbongo, président de l'ASBL Fondation Akari, a rencontré le membre de la fondation pour leur expliquer le bien fondé de lutter contre ces fléaux qui gangrènent la société congolaise, le tribalisme. Cette campagne est une occasion d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette lutte. Le tribalisme fragilise l'unité nationale. Pourtant, nous avons besoin d'un Congo uni et fort, a-t-elle ajouté. Nous avons voulu accompagner le président de la République, le chef de l'État, son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision de radiquer le tribalisme. Et donc, nous sommes toujours dans cette perspective et pour cela, nous avons organisé cette réunion pour lancer une campagne contre le tribalisme, parce que vous savez très bien que c'est un fléau qui gangrène notre population, notre nation. En tant que membre de la Fondation, mais aussi en tant que patriote, nous avons tous le devoir civique et patriotique d'informer la population, de sensibiliser la population contre ce fléau, c'est-à-dire en donnant des messages à l'aide dans le sens de lutter contre le tribalisme et en encourageant l'unité et la cohésion nationale. La rencontre du carrefour de jeunes était une opportunité de préparer la sortie officielle de l'ASBL Fondation Akari. Entendez Acacia en action pour la fin du mois en cours. L'IFAD vient d'élancer sur le marché des informaticiens de gestion. C'était lors de la collation de crainte. Institution publique agréée par une ordonnance présidentielle et institution de l'Église rattachée à l'archidiocèse de Kinshasa, l'Institut facultaire des développements IFAD occupe une position stratégique dans la ville. Situé sur l'avenue Saïo dans la commune de Kassavubu, la position de l'IFAD explique le choix des filières
tournée vers de besoins réels du pays. Les problèmes cruciaux en République démocratique du Congo se posent en termes de la qualité de la vie de la population. Cette situation a ouvert un vaste champ de la formation des techniciens de développement. Une bonne analyse de la cartographie des services de santé démontre à quel point il est important d'organiser les sciences de la santé en République démocratique du Congo, en RDC. Les gestionnaires de l'IFAD ont compris la pertinence de former des étudiants en journalisme et communication des organisations. Aujourd'hui, plus que hier, toute organisation, toute administration publique ou privée a besoin de maîtriser la communication pour son image à l'intérieur et à l'extérieur. À l'ère des technologies de l'information et de la communication, notamment de l'Internet et des réseaux sociaux, former des jeunes Congolais en informatique de gestion est une nécessité. La récente mise en place, publiée à l'archidiocèse de Kinshasa, a confié la gestion de l'IFAD au professeur Jean-René Dimbassi comme recteur, l'abbé Julien Yunga nommé secrétaire général académique, tandis que l'abbé Victor Ntamboué assure la fonction d'administrateur du budget. Enseignement toujours, le nouveau comité de gestion de l'Université de Kinshasa, dirigé par le professeur docteur Jean-Marie Kayembe, est déterminé à apporter des réformes profondes au sein de l'Université de Kinshasa avec l'appui de toute la communauté universitaire. Cette annonce a été faite lors de l'Assemblée générale organisée dans la salle Monseigneur Luc Julan avec comme thème « Construisons notre cité », redépenda. Il faut mener des réformes profondes dans la forme et les fonds au sein de l'Université de Kinshasa si l'on veut que cette colline inspirée récupère sa place d'antan et continue à jouer son rôle de première vitrine scientifique et académique de la RDC. C'est le vœu exprimé par le nouveau comité de gestion de l'UNIKIN, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN, et ses collègues membres du comité de gestion ont annoncé cette grande vision au cours de l'Assemblée générale qui a réuni dans la salle Mgr Luc Julan toutes les couches et intelligences de la communauté universitaire, avec la grande interrogation: pourquoi l'UNIKIN a perdu sa première place de qualité aussi bien au niveau national et même international? Cette directive est soutenue par tous au point que les interventions des uns et des autres ont convergé vers la réussite appelée de tous les vœux. Nous avons voulu surtout que tout le monde se sente impliqué dans la gestion de l'université qui, elle, doit apporter une impulsion particulière au développement de la nation. Nous devons analyser les différentes suggestions qui nous ont été proposées par tous les corps. C'est alors seulement que nous pourrons réorganiser notre agenda de travail en mettant toujours l'étudiant au centre de nos préoccupations. Il s'y est de noter que la qualité de la production scientifique et académique à l'Université de Kinshasa dépendra de la réussite de ces réformes engagées. Clôture formation sur le fonds solide à l'Institut national de préparation professionnelle INPP avec l'appui de la JICA. Plusieurs stagiaires ont été appuyés financièrement pour la création des entreprises dans différents domaines. Le directeur général ad intérim Patrick Kayembe Soumpi a rappelé l'objectif qui vise à réduire le taux de chômage. Séverine Pascal Katanda. Inciter l'entrepreneuriat et l'auto-emploi chez les stagiaires sortis de la préparation professionnelle, c'est le but de la formation sur le fonds solide organisée avec l'appui financier de la JICA, clôturée le 10 décembre 2021 par le directeur général à l'intérim de l'Institut national de préparation professionnelle, Patrick Kayembe Soumpi. Ce programme répond aux besoins réels d'employabilité et de la population active. Ces derniers ont reçu un soutien financier pour la création de petites et moyennes entreprises qui va booster la classe moyenne, socle du développement économique et levier de l'insertion sociale. Selon le directeur général par intérim de l'INPP, Patrick Kayembe, les fonds solides est une garantie et base de la politique future pour réduire le chômage en RDC. Je me fais l'honneur de remercier de vive voix le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la création des conditions favorables à la coopération
qui ont permis au gouvernement de la République, par les biais du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur la promotion de la culture entrepreneuriale. Le représentant de la JICA à Kinshasa s'est dit satisfait pour la matérialisation du projet Fonds Solide rendu possible par le renforcement des capacités des formateurs de l'INPP avec la collaboration des experts japonais. Le Fonds Solide porte de fruits déjà palpables sur le terrain et pousse ainsi le directeur général par intérim de l'INPP Patrick Kayembe d'inviter d'autres partenaires d'emboîter le pas. Le 15e congrès en urologie coïncide avec le 15e anniversaire de cette société savante. Ces assises de Kinshasa placées sous le thème « Progrès en urologie en République démocratique du Congo » a accueilli plusieurs participants venus de 26 provinces de la RDC et ceux venus de l'étranger. Rodé Panda. Et l'Association congolaise d'urologie vient d'organiser encore une fois son 15e congrès annuel sous le thème « Les progrès en urologie en République démocratique du Congo ». Après un accueil chaleureux et réservé aux participants de la sommité scientifique du monde médical, tous venus du Congo profond et de l'étranger et réunis dans la grande salle de l'hôtel Memling, le président de cette association savante, le professeur Mbonga, a encouragé le congressiste pour leur disponibilité avant de leur communiquer le bien fondé de ce 15e congrès. Plusieurs autres sous-thèmes ont été abordés, notamment l'infertilité masculine, l'urologie pédiatrique, l'incontinence urinaire et l'onco-urologie. Le professeur Loposo Kumo Mathieu donne l'économie de ses assises. Au Congo, on s'est réunis pour discuter, pour tenter d'améliorer la prise en charge des affections urologiques. Nous discutons sur la prise en charge, nous discutons sur les réalités que nous rencontrons au Congo, que nous comparons avec ce qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, on a invité un des conseillers du président qui nous a amené dans un autre secteur, c'est-à-dire le secteur de l'électricité. Vous savez, l'électricité est très utile pour nos urologues. Cet échange, il faut le dire, consacré sur une partie vitale de la vie humaine, seront très bénéfiques pour la population dans la prise en charge des soins de santé de qualité. Et en religion, journée d'action de grâce avec l'ASBEL, à bâtir le Congo avec Jésus-Christ. Suivez. La vision que le Seigneur nous a donnée, bâtir le Congo avec Jésus-Christ, consiste à aller dans l'invisible, voir les causes de la situation que nous vivons maintenant et demander à Jésus d'intervention pour que cela change. En fait, les causes de sa situation peuvent se résumer par un seul mot, le péché. Aucun parti politique ne peut sauver le Congo du péché. Seul Jésus-Christ par la puissance de son sang. Et c'est cela le message que nous véhiculons pour que les gens demandent pardon à Dieu. Bien sûr, ils doivent d'abord être convertis. Que nous demandons pardon à Dieu pour le péché dans lequel nous prélassons. Nous croyons que c'est une bonne chose. Mais le péché, c'est la mort. Nous devons confesser nos péchés, recevoir le pardon de Dieu. Et nous avons cette assurance que Dieu va guérir ce pays parce que c'est sa promesse. Et si mon peuple s'humilie, cherche ma face, s'il se détourne de mauvaise voie, de là-haut, je guérirai son pays. Donc la situation de la RDC est capable d'être changée par la puissance de Dieu si le peuple de Dieu prie. Mais pas prier n'importe comment, il doit prier selon Dieu. Nous ne pouvons que dire bienvenue à ce grand rendez-vous. Il faut 250 000 dollars américains pour lutter contre la malnutrition aiguë dont sont victimes les enfants et femmes enceintes dans la province du Maniema.
plusieurs dizaines d'enfants sont déjà décédés. Le gouverneur ad intérim du Maniema, Afani Idrissa Mangala, sollicite l'aide des partenaires. La nouvelle épidémie monkeypox ou encore variole de singe a déjà tué 24 personnes sur 191 cas notifiés. Après confirmation de l'INRB, le gouverneur ad intérim a déclaré officiellement cette maladie dans sa province. Reportage. Avec à sa tête Afani Idriss Mangala, gouverneur intérimaire du Maniema, cette équipe de dirigeants de la coordination provinciale de l'Union sacrée de la Nation a été présentée à l'assistance ce samedi 11 décembre 2021 sous une salve des ovations, et ce, après la lecture de l'acte de désignation consensuelle par les partis politiques présents au Maniema et qui embrassent cette vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, constitué de 25 personnes venues de différents partis politiques, regroupements et personnalités politiques, ainsi que d'un comité de sages. Cette équipe de la coordination de l'Union sacrée Maniema se fixe l'objectif de porter haut cette vision du chef de l'État et propager son idéologie en vue de doter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la majorité d'élus à tous les niveaux en 2023. Ou jamais que le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de s'enraciner. Donc cela montre la suffisance que le pire et fils de la province du Maniema accepte le président de la République. Ceux qui vont mouiller les maillots, ce sont les militants, des représentants des partis politiques qui sont ici présents. C'est confirmé, la nouvelle épidémie appelée monkeypox ou variole du singe est bel et bien présente dans la province du Maniema, territoire de Kibombo. Beaucoup de personnes sont déjà mortes de cette maladie. 24 décès déjà enregistrés sur 191 cas notifiés. Le gouverneur AI du Maniema, Afani Idriss Mangala, vient de les déclarer officiellement ce jeudi 9 décembre 2021. Au cours de la 40e semaine, les échantillons prélevés dans les aires de santé de Wenga, Utu et Weta ont été envoyés à l'INRB pour des analyses dont les résultats viennent de confirmer l'épidémie. Eu égard à ce qui précède, je déclare l'épidémie de monkeypox dans la province du Maniema et sollicite l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement ainsi que des humanitaires pour lutter contre cette épidémie. Par ailleurs, je demande à toute la population du Maniema en général et celle du territoire de Kibombo en particulier de consulter les centres de santé les plus proches en cas de fièvre et éruption généralisée marquée au niveau de la face, des paumes des mains et plantes des pieds. L'épidémie de monkeypox est donc confirmée dans la province du Maniema, madame, monsieur. Ce journal est complètement terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe. Patrick Bapuila, Papi Vouélé, merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba. Excellent début de semaine. À toutes et à tous. Au revoir.